bien parti. Il y a du mouvement. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Et ils essaient de repartir de derrière. C'était un joli tacle quand même. Dejan Stankovic. Il a de l'espace. Il est bien placé. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Thiago. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. L'arbitre siffle une faute. Il glisse le ballon en profondeur. Il prend sa chance. Il n'a pas pu retenir son geste. Pénalty. Décision logique. Il y avait faute là. Ne pas se laisser déconcentrer par le gardien. Ne penser qu'à une chose. Réussir la frappe. Et voilà. Il réduit le score sur ce pénalty. Oh le calme. C'est impressionnant. Beaucoup d'application. Beaucoup de confiance en ce geste. Il est parfaitement tiré. Ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Quelle fait du bien, cette interception. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration, quand même. L'arbitre signale une faute. Attention quand même à ne pas multiplier les fautes, ça pourrait leur coûter très cher. C'est joué long, attention, la belle inspiration. Il essaie la frappe. Quel but! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Ils ont fait le break. Et c'est reparti. Oui, ils se sont donné un petit peu d'air. Ils pourraient bien décider de gérer la suite. Il joue dans l'espace. Accélération. Il y a danger. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Ali, il va tirer ce corner. La tête! Et c'est un but! Au meilleur des moments possibles, juste avant la mi-temps. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Pas assez précise cette passe. Il tire. La passe dans la profondeur. Et le drapeau s'est levé. Peut aller au bout. Messi. Oh, quelle... Oh, l'intervention magnifique. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Le coup de tête. Non, non, ça ne passera pas. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Et
La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Bon, je vais faire... Et il va être sanctionné. L'ouverture sur le côté. Il la remet. Oh, il l'a récupéré. Pierre-Emerick Aubameyang qui est sanctionné pour cette faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Mendy, bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il glisse le ballon en profondeur. L'arbitre a tout vu, il était en jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. C'est joué long, attention. Il prend sa chance. Oh, il a failli en profiter. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. C'était une bonne intervention. Il était quand même pas mal ce tacle. L'assistant lève son drapeau. Ils prennent des risques en défendant très haut comme ça, mais le hors-jeu est bien signalé. Oh, le tacle superbe! Peut-être un nouveau but sur corner. Il a pris des risques, ce sera un coup franc. Mats Hummels qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Il a stoppé l'attaque adverse. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Attention, c'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là, et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est un bon mouvement, le bon dribble. Et ce ballon vers ses autres. Il tire. C'est au fond du filet. Yes, 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 yes. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Aubameyang. Quelle inspiration. Ça manque de précision. Il a essayé de surprendre le gardien, mais il manque un petit truc à la fin. C'était difficile comme geste. Pour trouver la faille dans la défense. Ils obtiennent le corner. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. Ça joue long vers l'avant. En retrait vers son gardien. Zico. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est une occasion. Oh, but! Quel comeback! Mais quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il s'est créé de l'espace. Il a parfaitement profité d'une petite erreur de concentration de la défense pour marquer ce but. Bien joué! Et les voilà donc en tête. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed. Ça peut faire mal. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Kyle. Il joue dans l'espace. Aubameyang. Poussé par le gardien. Oui, il était bien concentré. Bravo.
quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Aubameyang ! C'était un bon tir, mais le gardien a eu la main ferme. Il glisse le ballon en profondeur. La passe dans la profondeur. Dejan Stankovic, qui est bien placé. Zico ! La bonne passe. Il allonge, pourquoi pas. Aubameyang ! Oui, c'était bien ce lob, mais c'est mieux quand c'est au fond. Dommage, ça aurait été un superbe but s'il était entré. Le bon dribble. Elle continue sa course. Il tente de la jouer dans l'espace. Messi ! Et ça fait but ! Égalisation pour le Stade Brestois. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il a bien senti le coup là, mais je pense que les supporters des deux équipes vont être d'accord avec moi. Le marquage n'était quand même pas top. Et voilà qu'ils sont de nouveau égalisés. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter la but et hop, ils se font remonter. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. C'est joué long, attention. Oh, il faut frapper. Et ce sera une faute. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, c'est dangereux. Et c'est au fond. Voilà la situation complètement inversée. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ils ont réussi à renverser la situation. Mais... Aubameyang ! Quelle inspiration, ça manque de précision. C'était malin, mais c'est loupé. Bonne lecture de la trajectoire. La passe dans la profondeur. Et non, hors-jeu. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. La faute est sifflée. Ali. Il tente de la jouer dans les... Zico ! Oui, c'était puissant. Ils sont passés tout près d'égaliser. Ça, c'est une bonne réponse après le but encaissé. Mais il va falloir continuer comme ça maintenant. De la tête ! Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Il avait tellement envie de marquer qu'il s'est un peu emballé. Il faut rester lucide. C'est joué long, attention. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, ils l'ont échappé belle. Le Stade Brestois qui récupère ce ballon pour trouver la faille dans la défense. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Voit le ballon. Oh, le coup de tête ! Oh, le but ! Le but ! Oh, il marque encore, égalisation ! Ça démontre leur force de caractère. Ils ne baissent jamais les bras. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. C'est bien joué, ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Énorme occasion ! Oh, il marque ! Alors ça, c'est tout simplement extraordinaire.
Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû céder à tant qu'à faire. Autant se rapprocher, c'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Et le doublé. Les voici avec un but d'avance. Ils ne baissent jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Et la bonne intervention. La passe dans la profondeur. Quelle passe! Mats Hummels. Il glisse le ballon en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Oh, voici Kyle. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Plus que le gardien là-bas. Aubameyang. Oh, c'est au fond. Ils ont pris des risques. Ils sont récompensés. Que c'est beau. Il est presque chambreur dans sa finition. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il a déjà un carton, ça aurait pu être le rouge cette fois. Il s'en sort bien. Et la tête. Exactement là où il le désirait. Beaucoup de sang-froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Bonne intervention. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la surface. Pour frapper là!